I'm so happy for Morocco. I think it's hard maybe for the people who are watching us to put maybe Morocco in the map, you know? And it's a small country. It's kind of a poor country. Lots of people are suffering. Most players, they come from France. They have a double nationality and they fight for their country because it's a fantastic country full of culture. You cannot imagine the reaction over there. Right. What it is there, just winning against Belgium. Second in the rank, FIFA rank. Yeah. That's crazy. That's absolutely crazy. I've got goosebumps just thinking about that because I know what it represents for my friends in Morocco. What it is for them to, Saïs, you know, plays for Wolverhampton. I mean, the goal that he scored. I mean, that's something he will always remember for the rest of his life. It's a real fit what they did, and they might do if they go through. Salut à tous, je me présente devant vous pour m'expliquer sur les propos du Maroc. Là, j'ai reçu des insultes, même des menaces de mort. Enfin bon, on est sur la toile. Jamais, au grand jamais, je n'ai voulu insulter le Maroc. Donc si certains ont senti insulté parce que j'ai nommé le Maroc petit, je suis désolé, c'est parce que je parlais de football. Si j'ai dit qu'il était pauvre, oui, il y a des gens riches, très très, très riches même, mais moi j'étais au Maroc une dizaine de fois, je pense, dans ma vie, j'ai pas vu, il me semble pas avoir vu des gens super riches partout. Enfin bon, donc je suis désolé si ça vous a choqué, mais c'était pas le propos, c'était surtout pas de dénigrer, c'était au contraire de mettre en avant l'exploit des joueurs marocains, ce qu'ils avaient fait. Alors je me suis trompé sur la double nationalité et je suis vraiment, vraiment désolé. J'ai dit que le Maroc était difficile de mettre sur la carte. Pour les Américains, c'est une chaîne de télé américaine et il faut savoir que dans certains États, on ne sait même pas que Paris est la capitale de la France, donc on pense que Paris est la capitale de l'Europe. Donc je dis ça, c'est surtout pas encore une fois pour dénigrer le Maroc, que je trouve extraordinaire, je trouve que ce que les joueurs font c'est fantastique. Donc si j'ai heurté des gens, je veux vraiment m'en excuser. C'est surtout pas du racisme, alors là, n'importe quoi. C'est surtout pas pour dénigrer, parce que encore une fois, j'aime ce pays, j'y suis allé plusieurs fois, je trouve qu'il y a une culture extraordinaire. Donc amis marocains, excusez-moi si je vous ai heurté. Je le ferai plus, ça c'est sûr. Mais je suis vraiment désolé.